Monsieur Péfer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sorti vainqueur de ce scrutin, on n'y croyait pas, mais pourtant c'est bien vous qui êtes sorti vainqueur. Quel est le message que vous allez passer maintenant aux auditeurs et leur dire quels sont les sujets que vous allez traiter en priorité ? Moi j'y croyais à cette victoire, ce que je sentais deux forts moteurs dans cette circonscription, c'est le barrage aux députés sortants qui n'était pas présent dans la circonscription et qui, d'avis unanime des gens que j'ai vus sur les marchés et d'avis même de beaucoup d'élus de la circonscription, n'a pas été présent sur le terrain. D'accord. Et deuxièmement, c'est le vote d'opposition à Macron. Je pense que les Français, et particulièrement les Français de Moselle-Est, ne voulaient pas laisser une majorité à l'Assemblée nationale à Macron. Et on va voir dans quelques instants que certainement il ne l'aura pas et on en est très heureux. Super. Vous avez peut-être un message à passer aussi à nos auditeurs qui vont vous connaître et que vous allez certainement venir plusieurs fois à notre radio. Quel est le message que vous voulez leur passer ? Moi je vais leur dire que je serai un député de terrain, donc j'aurai sûrement l'occasion de vous croiser dans des manifestations, sur les marchés. J'ouvrirai très bientôt une permanence, je vais y travailler dès cette semaine, donc ils pourront venir me voir, je serai un député à l'écoute. Le travail d'un député, c'est de faire remonter les besoins, les problèmes de sa circonscription à l'Assemblée nationale, et ça sera mon travail prioritaire. La première des choses dont les gens m'ont parlé pendant cette campagne, c'est leur pouvoir d'achat, la lutte contre l'inflation qui ne cesse de grimper pour leur carburant, pour leur pouvoir, pour leur plainte de course, pour leur facture d'électricité. Donc ça sera un sujet prioritaire à travailler dès cet été à l'Assemblée. Super, je vous remercie pour ces quelques instants. Merci à vous. Et félicitations. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.